Salut, salut à tous. Alors, vous ne me voyez pas. Le chat est de retour, mais la caméra, non, pas cette fois. C'est bizarre, elle marchait très bien. L'autre soir, elle marchait très bien sur Until Dawn, et là, non. On va faire avec et puis ben on va continuer notre partie de Tomb Raider Definitive Edition en mode hard. Allez, c'est parti. Le jeu nous dit qu'on est à 40%, m'étonne un peu. Salut Améthyste, donc salut Alka, salut Améthyste. Merci d'être là. À tout de suite Alka. Alors on était dans le village. Bon, j'espère que je vais pas faire de la merde parce que du coup là je suis passé sur Metal Gear 5. Et donc j'espère qu'au niveau maniabilité, je ne suis pas. Alors apparemment pour continuer, c'était par là-bas. Bienvenue à tous les nouveaux, je vois qu'on est passé à 5 personnes, donc bah, écoutez, merci à tous d'être là. Hop, voilà, on a un petit camp ici. Oh putain, je me suis cramé comme un crétin. Voilà, donc on a un point de compétence, on va pouvoir faire évoluer Lara, on devrait pouvoir aussi prendre quelques armes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme compétences disponibles? Améliorer vos compétences d'escalade, déplacez-vous plus rapidement, augmenter votre résistance aux dégâts de chute. Bon, pour l'instant, ça, c'est pas très important. Ici, on a tueur accompli. Éliminez vos ennemis en toute discrétion pour obtenir des récompenses plus importantes. Salut Oncle Chou, bienvenue à toi. Et ici on a Roublardise, utilisez la poussière et les cailloux pour aveugler vos ennemis, les rendre vulnérables à vos attaques. Expert en piolet, utilisez votre piolet cranté pour porter un coup surpuissant capable d'étourdir vos ennemis. Esquive contre-attaque après avoir esquivé une attaque, plantez une flèche dans le genou de l'ennemi pour le rendre vulnérable à un coup critique. Salut Kai Marley! Salut à tous ceux qui nous rejoignent. Allez, voilà, on va faire ça. Donc, on va prendre l'attaque contre-attaque, voir se battre au corps à corps. Tranquille, bidou. On va aussi améliorer un peu nos armes. Donc, il est à fond, lui, il a tout à faire. Lui, il est à fond. Lui, il lui reste un truc. Et ben voilà, on va finir le pistolet. À y être. Le piolet, c'est bon. Ça, on s'en fout. Je pense pas qu'il ait un truc à 126. Mais on est plutôt pas mal. Arrêtez le vieux, il va se barrer. Ah oui, j'ai rajouté les sous-titres. Alors, je sais pas si ça a été une riche idée, mais
J'ai l'impression que c'est des sous-titres pour malentendants qui m'ont mis, quoi. Comment ils peuvent vivre comme ça? Mais en fait, ils n'ont pas trop le poids, ma grande. Là, il y a des matériaux. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Et là, il n'y a rien. Allez. Traîne-toi encore un peu dans la boue. Il n'y a pas de souci, Alka. Oh mon Dieu, c'est Grim. On chuchoule en munitions. Ici. Lara, là-haut! Grim, tu t'es échappé! Ils ont pas pu me retenir! Viens me rejoindre! Il faut qu'on retrouve les autres! Donc, je peux pas ramasser Lara, tout ça. Ramène tes fesses par ici! Ramène tes fesses par ici! Mais dis donc, le vieux, tu vas te calmer. Liquide-la. Étrangère, abandonne. Pas question, salopard. Ouais, j'ai un pompe. T'as compris ça? Hein? Où le dernier là? Là-bas. Putain, c'est... C'est pas les mêmes boutons, c'est vraiment relou. Si on peut dire. Salut Master Saturn. Il me plaît ton pseudo. Monte ici. Ça devait être Segata Sanchiro. Je ne peux pas grimper d'ici. Ah bordel. Attends, ils utilisent une espèce de système pour hisser des objets. Tu peux peut-être t'en servir toi aussi pour passer de l'autre côté. D'accord. Je vais essayer. Bon, alors déjà on va ramasser les. Le matériel, tout ça sur les cadavres. Le matériel, les balles, tout ce qui m'intéresse. Ah, il aura pas plus mon fusil à pompe là. Hein.
Mais oui, vive Segata Sanshiro, Segata Sanshiro, c'est la vie. Allez, alors, comment on peut se débrouiller? Manifestement, on devrait pouvoir ici sauter et récupérer des trucs, mais j'ai un peu peur, je vous avoue. Est-ce que je peux pas? Non, non. J'ai pas l'impression que je puisse sauter sur le truc. Ça me rassure pas. Je vais essayer de sauter là-bas. Là. Bon, ça a marché. On va déjà être content que ça ait marché. Là, il y a des choses à récupérer ici. Ça a l'air terrible tout ça. Là, c'est la version PS4 Master Saturn. Donc, c'est la définitive édition. Qui est quand même un petit peu plus jolie. Il n'y a vraiment pas de comparaison possible entre les deux. Donc, là, il n'y a rien de foufou, j'ai l'impression. C'est là d'où je viens. En haut, il n'y a rien de spécial, j'ai pas l'impression de pouvoir y aller. Alors. Là, ça sent pas bon, il y a des gros piquants. Là, il n'y a rien l'air d'y avoir de formidable non plus. Oh, qu'est-ce que c'est?